Bonjour à tous et bienvenue sur AquarioTube. Alors aujourd'hui, je vais vous lister toutes les plantes qui sont dans ce bac. C'est un bac de 54 litres cubiques où le sol est uniquement constitué de sable. Voilà, donc je vais vous faire la liste des plantes car il y en a pas mal et ça peut aider certaines personnes. Alors, sans plus tarder, on va commencer par celle-ci. L'hydrocotyle tripartita avec une toute petite feuille en trèfle verte claire. Très sympa. Alors ici, je l'utilise en planté. Et ici, j'en ai fait un mur végétal dans l'aquarium en enroulant simplement la plante autour des morceaux de bois que j'ai plantés dans le sable. Donc, c'est très sympa. Elle peut s'utiliser de plusieurs façons. Et elle est vraiment sympa avec ses toutes petites feuilles vert clair. Juste derrière, ici, beaucoup vont la reconnaître. Donc ça, c'est une mousse de Java ou Taxiphyllum barbieri. Donc c'est une plante très connue qu'il faudra que je présente sur ma chaîne. Je passe à côté, ici, nous avons une Alternanthera reniki mini. Donc l'Alternanthera reniki mini, c'est une plante qui, comme son nom l'indique, ne va pas trop grandir. Donc on peut la garder en premier plan. Ici, elle fait entre 5 et 10 cm de haut et elle commence à se plaire. Elle n'a pas toute sa plus belle couleur à cause de mon éclairage un peu faible, mais ça donne sa petite sensation à côté d'une plante verte. Juste derrière, voilà, en comparaison, on a une Alternanthera lilacina ou il y en a une autre aussi que j'ai mélangée, une Alternanthera rosaifolia. Donc, la principale différence va être sur la coloration du dessous des feuilles, qui peut être rose ou violette. On continue sur une autre plante que j'ai présentée récemment sur la chaîne. Elle est ici, c'est la Cryptocoryne lucens qui permet quand même de faire un tapis couvrant avec une autre plante qu'une gazonnante qui peut être sympa. Il faut lui laisser le temps de s'installer. Je l'ai présenté sur la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez. En plein milieu, coincé dans les branches de bouts de bois, on a la fougère de Java ou le Microsorum pteropus. Donc c'est une plante qu'il faut que je présente sur la chaîne parce qu'elle est très sympa et elle a un mode de reproduction un petit peu particulier. Je me décale un petit peu à droite. Et on va sur l'Egeria densa. Donc l'Egeria densa, c'est une plante très facile, une alliée contre les algues à pousse rapide. Et ici, je m'en sers pour cacher un petit peu mon installation, c'est-à-dire le chauffage et le filtre qui sont situés juste derrière elle. Tant qu'on est sur le filtre, pour cacher la canne de rejet du filtre qui est à l'horizontale, j'ai mis de l'hydrocotyle leucocephala qui fait de larges feuilles et qui peut être laissée en flottante. Donc, vous voyez, le résultat est quand même assez convaincant, puisqu'on ne voit pas du tout la canne de rejet du filtre. Juste à côté d'elle, à l'arrière-plan, j'ai mis une Rotala Ashra, qui permet de trancher un petit peu entre les grosses feuilles et les petites feuilles. Voilà, donc j'ai fait le tour de toutes ces petites plantes. Certaines sont déjà présentées sur ma chaîne, d'autres pas encore. Et d'autres, il faudra que je refasse les vidéos parce qu'elles sont pas forcément bien filmées ou bien expliquées. Mais bon, toutes ces plantes, comme vous le voyez, poussent sur un sol neutre. Ici, c'est du sable. Et moi, j'utilise de la fertilisation dans l'aquarium, quand même, de la fertilisation liquide. Voilà, donc 9 plantes présentées. J'afficherai les noms à l'écran au fur et à mesure de la présentation. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.